l'habitant du vieux pays doit faire face à un défi. Celui de travailler cette terre qui nous apporte de quoi vivre et de quoi manger. Elle remonte à loin cette tradition du façonnage de la nourriture, qu'elle soit issue de l'animal ou du végétal. Aujourd'hui, qu'il soit berger, cultivateur ou producteur, l'artisan s'est donné un nouvel objectif : améliorer la qualité. Quoi de plus important que l'héritage de la tradition, le respect de sa terre, l'élaboration de produits de qualité. Ainsi, l'homme se dépense pour faire savoir que ses produits sont originaux, qu'ils sont goûteux, qu'ils ont un nom. L'AOC, l'appellation d'origine contrôlée, est née. Elle se veut le garant d'un travail de qualité, authentique et savoureux, au service du consommateur. Tous ces produits, une fois terminés, font la fierté de ceux qui les ont façonnés. À quoi servirait tout l'amour apporté à la création d'un produit s'il ne se mettait pas au service de la convivialité et du partage ?